Notre petit Yorkshire ici est prêt pour aller dans le bain. Donc, j'ai commencé par raser le dos avec le contrepeigne 16 mm. Je me suis débarrassée au ciseau droit du poil que je n'ai plus besoin après le bain. Donc, il n'y a rien qui a été fait vraiment en finition. Je me suis juste débarrassée du poil que je n'ai plus besoin. Maintenant, on va employer un shampoing démêlant parce que j'ai déjà démêlé les plus gros nœuds, mais il reste des petits nœuds qu'on va essayer de l'enlever en séchant. Et après, on terminera toute la coupe avec des ciseaux effilés pour redonner un air naturel au chien. Donc ici, le chien, il est assez maigre. Donc, c'est pas une bonne idée de faire trop court. Maintenant, laisser long, c'est pas une option non plus parce que les gens ne peignent pas beaucoup. Donc, pour JB, je fais le dos 16 mm et puis je fais la finition de la tête et des pattes au ciseau effilé. Ici, nous avons un petit bébé qui vient pour la deuxième fois au toilettage, qui est très très sage. Ah oui, tu es très sage. Oui, tu es caline. Oui. Voilà, JB a été lavé et séché et démêlé. Donc, comme vous avez pu le voir auparavant, on a préparé ce chien qui était quand même fort poilu en coupant le poil qu'on n'avait plus besoin pour faire sa petite coupe après. Et voici notre chien avant le toilettage et après le toilettage.